Couleur Pays nouvelle édition avec comme invité une jeune chanteuse qui appartient à la nouvelle génération de chanteuses de La Réunion. On a souvent dit qu'il nous manquait beaucoup d'artistes, interprètes féminins. Eh bien voilà que sur cette scène, il y en a de plus en plus, avec des gens comme Agnella, Stéphanie Tazard ou autres, c'est Gaëlle. Eh bien, elle fait partie de cette génération montante qui, ma foi, eh bien, occupe la scène locale et cela nous fait extrêmement plaisir. Je vous propose de découvrir une artiste que vous ne connaissez peut-être pas encore beaucoup, mais sans nul doute avez-vous déjà chanté et dansé sur ses chansons. Elle, c'est Mrs. invitée dans Couleur Pays, votre émission de musique locale. Couleur Pays avec Eric. Comme je vous le disais, c'est Mrs. que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir pour la première fois dans Couleur Pays. Tout à fait. Et c'est vrai que tu es une artiste qui a démarré finalement il n'y a pas très longtemps, mais à la fois tu es quand même dans le milieu depuis quelques temps. Alors on va essayer d'expliquer tout ça aux gens. Ça fait 3 ans que tu es maintenant, tu occupes un petit peu la scène. Un petit peu, voilà, avec DJ Pilot, etc. Alors DJ Pilot, c'est celui qui te suit, qui t'accompagne. Depuis le début, c'est-à-dire à tous mes débuts, il y avait DJ Pilot qui a composé un zouk, aussi un dancehall. Donc c'est paru sur sa compile Paradisia Sound. Et après j'ai rencontré d'autres personnes comme Biosiric et Kenny Nelson qui a composé mon nouvel album. Très bien, donc un résumé très succinct de ton parcours. Moi j'ai commencé depuis le début. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique ? Ben déjà dans la famille, on en a beaucoup de musiciens, entre autres mon papa, Julien Trénoul. C'était un chanteur de Sega et de Slow. Donc voilà, c'est lui qui a donné envie d'aller vers la musique. Et voilà, c'est une passion que je partage avec lui aussi. Et il a fait des albums ? Oui, avec un 45 tours au tout premier début. Il remonte alors ? Il remonte déjà. C'était l'époque du vinyle. Voilà. Et ben, courant de cette année, il est en train de préparer son album. Il sort cette année normalement. Si donc, vous avez envie de revenir à la scène ? On peut dire ça. Donc il doit être fier aussi de voir sa fille dans la musique. Très fier, très fier. Très bien. Donc, ce qu'on appelle une filiation, hein, le papa était musicien, ou la rentre aussi un peu dans la musique en tant que chanteuse. Et les premières scènes, c'est quoi ? C'est les communions baptême mariage ou c'est en famille, c'est les amis ? Ben avant tout, c'était en famille, au lycée également aussi. Et puis c'est devenu les scènes, ben voilà, baptême, mariage, puis les grandes scènes d'ici, les boîtes, etc. Et la première fois où l'a chanté de mémoire, m'y pense, c'est dans une réception familiale. Vous l'avez quel âge ? 10 ans, 11 ans ? On va dire 12 ans. 12 ans ? 12 ans, voilà. Là, on monte sur la table, chante avec papa. Voilà. Chanter des chansons d'amour. Aussi, mais avec lui, oui. Alors, moi, on a compris également que vous l'avez commencé par le zouk et la dancehall. C'était la musique et la tendance des jeunes. Voilà, parce qu'on n'est pas très, très âgé non plus, et tant mieux, parce que ça fait partie de la jeune génération. Alors, pourquoi à cette époque uniquement le zouk et la dancehall ? Ben, c'était tendance, et puis comme ça remonte déjà à 3 ans, donc j'étais un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était la tendance du moment. Et puis ben, le zouk, j'aime bien parce que c'est doux déjà. Et dancehall pour le côté mon petit caractère, donc voilà. Alors, oui, le dancehall, c'est un peu les rude boys qui font de la dancehall. Un petit peu. Un petit peu. Les filles dans la dancehall, elles sont très peu. Il y a quoi ici à La Réunion, on a. Il y a Maïkidja. Il y en a d'autres aussi. Mais qui ne sont pas connues. Celle qui tient le haut du pavé en dancehall, c'est Maïkidja. Qui elle-même disait que c'était quand même un milieu assez machiste. On laisse peu de place aux femmes. Voilà. C'est pareil pour la musique anglophone, entre le rap et l'R&B. Hein. Il y a très peu de femmes qui font du rap. Toutes les filles font du R&B et les garçons font du rap. Ici, les garçons font la dancehall et les filles font. Pour certaines, en tout cas, c'est plus doux. Alors, du coup, Sega, parce que papa, finalement, c'est un chanteur de charme, slow, où il a commencé avec le zouk, dans le Sega là-dedans. Ben, papa faisait aussi du Sega aussi. Ah bon ? Donc, voilà. Donc, Sega, oui, ben, c'est plutôt grâce à lui aussi. Comme nous, sa famille, c'est très l'ambiance, etc. D'où mon premier titre, Allons faire la fête. Donc, c'est ambiance familiale, copains, amis, etc. Mais où l'arrivée dans le. Où l'a débarqué dans le Sega, entre guillemets, il y a eu un moment où on passe du zouk dancehall au Sega. Qu'est-ce que ça l'amène à ouvrir vers cette musique pour la chanter ? Parce qu'au début, même si dans l'environnement familial où il est dans le Sega, pour être interprète ou chanteuse de Sega, il aura fallu un déclic. Ben, déjà, me rappelle, à moi, c'était un mois de décembre, donc j'étais en studio avec ben, Biosiric, mon compositeur. Et justement, pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année, faire un Sega, changer un coup de style. Au début, je me dis, bon, est-ce que vraiment, ce sera vraiment mon style, est-ce que va plaire, etc. Donc après, ben, nous l'a testé, on a fait un Sega et apparemment, les gens l'ont apprécié quand même. Donc voilà, c'est venu, allons faire la fête. Allons faire la fête, c'est d'ailleurs le clip que nous retrouvons dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.
Ce soir dans la peau d'un festin, ta cavalier jusqu'à grand matin. Dame devant, cavalier derrière, tiens bon ensemble, on la fait la fête créole. Danser, taper dans la main, allons faire la fête créole. Défouler, donne à l'île comme ça même, allons faire la fête, tiens beau. Nous la passe à nous ça, amuser, ambiancer, tu aimes ça. À la lila, le tir ambiance est sérieuse. À la lila, nous tout ensemble pour nous mettre au fait. Tiens souliers, mettre six côtés, au décapine la conserver. Danse tout seul ou bien à des, c'est égale à ça pour nous faire. Danser, taper dans la main, allons faire la fête créole. Défouler, donne à lui comme ça même, allons faire la fête, tiens beau. Nous la passe à nous ça, amuser, ambiancer, tu aimes ça. Allons faire la fête, c'est le clip que nous vient de regarder, la chanson qui a été le déclencheur pour Mrs. Et une chanson la permet à vous de tourner beaucoup à travers l'île. Alors, est-ce que pour, parce que quand on vient dans le SEGA un peu par hasard, puisque c'est camarade, il y a Oubranlé, enfin, un petit SEGA, pourquoi pas, vous avez une idée ou une image plutôt un peu ringarde du SEGA ou un peu, est-ce que, parce que, on a bien compris qu'on fait du zouk tendance, c'est-à-dire que c'est jeune, et donc est-ce que pour le SEGA, c'était un jeu, quelque chose, c'est la musique de papa? Mais pour moi, c'est la musique de papa, comme il est très fier de lui, donc. Pourquoi pas le SEGA? Pour moi, c'est une fierté aussi de faire du SEGA. C'est une musique très appréciée aussi ici. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas, oui. Alors, est-ce qu'on a l'impression, comme beaucoup d'autres, qu'on donne un petit coup de jeunesse à la musique SEGA dans votre approche, dans la manière de faire? Déjà, dans l'image que vous y donne, parce que vous êtes, bon, on est un peu tendance aussi, dans l'habillement, etc. Donc, est-ce que vous avez l'impression de donner un petit coup de jeune au SEGA? Ben oui, quand même, c'est ce que les gens pensent d'ailleurs, que comme les jeunes comme moi, Agnella, Tivi, que ce soit fille ou garçon, oui, un petit coup de jeune au SEGA, oui, j'ai envie de dire oui. Alors, ça l'est important également, parce que ça permet aussi à la musique SEGA de se retrouver non pas seulement chez les anciens, les papas, etc., mais aussi chez les jeunes, parce que la musique peut exister que si les jeunes s'approprient leur propre musique. Donc, quelque part, il y a un travail aussi qui est en train de se faire pour les années à venir. Donc, si les autres restent longtemps sur la scène, ça veut dire que les jeunes vont vous accompagner le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Premier album, donc, la première chanson avec Allons fait la fête, et puis, où l'a réalisé le deuxième album, qui est maintenant disponible, qu'on va montrer sans nul doute à la caméra, en souhaitant qu'il n'y ait pas trop de lumière. Et cet album s'appelle Propazé. Alors Propazé, ça fait tout de suite penser un petit peu à propagande, diffuser, envoyer, larguer. Et je sais qu'on est très très proche de tout ce monde internaute. Tu es très proche de tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Oui, oui. Et ça, c'est un monde qui appartient vraiment aux nouveaux artistes. Alors avant de parler de ça, moi j'ai... Je suis un vieil animateur qui a pour habitude de parler d'abord des gens qui ont participé à l'album. Qui sont les musiciens qui ont participé à cet album? Déjà comme batteur, parce qu'il y a une partie, c'est partie live, donc pour les SEGA, et une partie, c'est programmation. Donc tout ce qui est de la programmation, c'était Biosyrique. Mm-hmm. Et Kenny Nelson aussi, qui a composé un zouk, Reviens-moi, sur cet album. Ensuite, comme musicien, il y a eu Yolin, comme guitariste Rico, et aussi Monsieur Richemont à la basse. Monsieur Richemont. Voilà. Donc lui, à mon avis, est un peu plus âgé que les autres. Hein. Un petit peu plus avec beaucoup d'expérience.
Donc c'était un album qui était enregistré en home studio, chez Zot ou chez quelqu'un en particulier? Donc chez BS Prod en partie pour la partie programmation justement et pour le live chez Monsieur Richemont justement. D'accord, qui lui s'est occupé de faire les prises de son et le mixage. Voilà, tout à fait. Combien de temps pour enregistrer cet album? Un an quand même. Ça m'a pris un an pour bien me pencher sur les sujets que je veux parler, pour que l'album ressemble bien à ce que je veux faire. Donc voilà. C'est un album où tu es la plupart du temps auteur-compositeur. Compositeur en partie sur certains titres. Et oui, auteur, oui, de tous les titres. D'accord. C'est-à-dire que tu écris et de temps en temps on prend une autre moon pour faire la musique. Voilà. Parce que vous n'êtes pas forcément musicienne. Non, pas du tout. Pas du Dommage. tout, du tout. Pas du tout. C'est Mélodiste, dommage. alors tu fais les mélodies, ça te permet de peut-être De trouver trouver des des airs, lignes. etc. Parce Voilà. que souvent quand tu écris d'abord. J'écris d'abord. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais ça dépend de l'inspiration, si c'est plutôt côté musique d'abord ou écrire avant, ça Et dépend. quand on écrit, on trouve les mélodies plus facilement ou c'est l'inverse? Comme il écrit, trouver les mélodies plus facilement. Parce que dans le mot, il y a déjà du rythme et déjà une Voilà. sonorité qui arrive à l'oreille. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est un conseil qu'on donne pour ceux, voilà, ce que fait Missis par exemple. Mais chacun a sa manière. Il y en a Oui, qui écrivent chacun sa façon de parfois faire. en état d'urgence. C'est-à-dire qu'en état d'urgence, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans le studio, il y a un truc qui vient et puis ils écrivent là et. Et puis c'est selon l'inspiration, ça peut être de nuit comme de jour au studio aussi, ça dépend de l'endroit. Il y a des modifications souvent qui sont faites avant d'arriver à la finale. Oui, beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Beaucoup de modifications, certaines phrases à changer, ça dépend. C'est la phase que tu préfères dans la musique, parce qu'il y a plusieurs phases. Il y a justement cette partie création, où tu es souvent tout seul dans la chambre avec la feuille blanche ou Oui. l'ordinateur, peu importe. Ensuite, il y a la partie enregistrement, qui est une partie où on fixe le son. Et ensuite, il y a la partie spectacle, soit en live, soit en playback, soit en discothèque, soit sur une vraie scène, où là, on rencontre le public. Sur ces trois parties, dans quelle de ces parties tu te sens le mieux? Que je me sens le mieux, on va dire avec plus avec le public, déjà. Mais aussi les parties studio, bon, comme c'est mon premier bébé, on va dire. Ouais. Donc les parties studio aussi comptent beaucoup, mais on va dire plus la partie publique, l'échange, La etc. partie C'est le spectacle, spectacle, show, voilà. être avec les gens, Voilà. c'est bien ce qu'on avait compris. On reparle un petit instant du travail que tu réalises sur Internet qui est important et qui nous permet de mesurer le chemin qui est parcouru par les artistes et leur approche d'Internet. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, on ne va peut-être pas parler de tout ça aujourd'hui. En tout cas, dans un premier temps, on retrouve un nouveau clip de Missis avant de revenir avec elle pour parler toujours de cet album qui s'appelle Propazé, disponible chez tous les bons disquaires.
c'était Gaïa Zot Nena. C'est le deuxième clip que Missis a réalisé. C'est vrai que ça a été une chanson également populaire, mais celle qui a dominé tout le monde, c'est Allons fait la fête. Allons fait la fête, oui. Qui tournait beaucoup. Il n'y a pas une communion, pas un baptême, pas un mariage sans cette chanson. C'était pas un pas sans Allons faire la fête. Tout à fait, mais les Réunionnais aiment bien faire la fête justement, ah, donc voilà. Surtout en fin d'année, dès qu'il touche au mois d'octobre, novembre, ah oui, un peu moins, parce que c'est les, mais décembre jusqu'à janvier. Décembre-janvier, c'est la fête chez les Réunionnais. C'est normal, mais c'est vrai que c'est aussi des moments où les gens ont besoin de décompresser. Et il faut des chansons qui accompagnent tous ces mouvements, et tu fais partie de ces gens qui avaient la bonne chanson au bon moment. Ce troisième album, donc, il est maintenant disponible, Propasé. Pour la promotion de cet album, tu utilises, comme beaucoup, les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire la radio, oui, qui la reste radio. Un outil important. Oui, bien sûr. Bien parce que sûr. La radio diffuse de la musique, ça tombe bien, tu fais de la musique. Bien sûr. Donc c'est bien. Et puis, il y a la télévision également, par les clips, puisque aujourd'hui, c'est souvent l'image qui fait vendre le son. Quand on fait un bon clip, il y a plus de chances d'avoir une visibilité plus forte. Aujourd'hui, les gens regardent beaucoup les chaînes de télévision musicales. On a cette chance d'avoir trois chaînes de télévision qui sont très portées sur la musique. Et tant mieux, parce que ça permet d'avoir une bouffée d'oxygène pour les acteurs locaux, producteurs et artistes. Voilà. Il y a les scènes qui sont des promotions également en discothèque. Et vous, vous utilisez beaucoup ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Par le biais notamment de Facebook, je sais pas, tu as peut-être un compte Twitter également. Moi, j'ai vu que tu avais déjà deux comptes bloqués ou un compte. Facebook. Il y a deux Facebook. Oui, voilà. Ouais. Je suis très proche des personnes qui aiment bien ce que je fais. Donc, oui, un compte page fan, etc. Donc, bon, ben là, je discute beaucoup avec les fans, avec les personnes qui veulent, par exemple, avoir des spectacles, avoir un spectacle chez eux, que ce soit en privé, etc., ou sur scène. Donc, oui, ça compte beaucoup pour moi, Internet. Ça m'aide beaucoup aussi. Ça aide beaucoup et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur Internet. Quand je dis vous, c'est ton manager et toi, vous êtes souvent sur Internet et beaucoup, vous utilisez beaucoup cet outil de communication. Mais pour garder le contact, oui, c'est très important. Vous envoyez beaucoup d'informations, vous répondez régulièrement. Quelles que soient les dates de concert ou des nouveautés, les photos, les vidéoclips aussi. Donc c'est important. Vous faites aussi des teasings, des promotions par SMS aussi, ce genre de choses. Oui, aussi. Aussi, donc autant utiliser tous les nouveaux moyens. Moyens de communication, voilà. Ça coûte un petit peu alors ça, non? Comment? Ça coûte un petit peu ou alors c'est des choses qui sont gratuites? Qui sont gratuites. D'accord, des accords avec des opérateurs ou c'est des forfaits mais non, spéciaux? C'est des forfaits spéciaux justement pour les SMS et puis ben, Facebook, c'est donc Internet. C'est un contact direct, c'est dématérialisé puisque bon, c'est pas ni des tracks ni des flyers, c'est dématérialisé, mais c'est un contact direct et de proximité avec vos fans. C'est très courant, il y a plusieurs artistes qui le font. Et, en tout cas, tu l'utilises bien parce que oui, beaucoup est bien et c'est pas toujours donné à tout le monde, en tout cas, c'est efficace. C'est efficace. Parce que du coup, les gens qui te programment, ils ont cette petite promotion supplémentaire. Voilà, ils sont au courant des dernières informations à savoir. Donc, tu as également bénéficié d'une promotion particulière avec RER en étant le trophée Musique Soleil catégorie féminine, artiste féminine de l'année. Et c'est vrai qu'il y avait cette partie vote RER et cette partie internaute. Et visiblement, les internautes ont se sont beaucoup mobilisés. Oui. Et sans doute par le fait que tu as un contact direct avec eux. Ça a sans doute joué également. Bah oui, ça a joué. D'ailleurs, je remercie beaucoup ceux qui m'ont suivi sur Facebook, etc. Les internautes d'avoir voté pour moi. Donc, merci beaucoup. C'est un outil de communication qui est si performant que même les politiques l'utilisent. Tous ont maintenant leur propre Facebook, leur Twitter et des gens qui se mobilisent autour avec une équipe de plus en plus importante. Obama a aussi beaucoup utilisé ce genre de choses. Donc, ça rentre vraiment dans le quotidien des gens puisque tout le monde a un ordinateur à la maison et tout le monde a aujourd'hui Internet. De nos jours, oui. Ce qui fait que ça aide beaucoup. Avant de conclure cette émission, je voulais regarder le clip, le Propasé. Propasé, voilà. Qui est le titre de cet album que l'on retrouve maintenant chez tous les bons disquaires. Tu es aussi en vente sur Internet, peut-être ? Pas encore, mais bientôt, ça sera mis en place. Bientôt, ça sera mis en place pour les ventes sur Internet avec les systèmes de téléchargement numérique payant. Il y a aussi le streaming qui entre en ligne de compte. Donc, vous touchez sur deux parties. La production, voilà. Également la partie droit d'auteur. On n'en parlera pas ce soir, mais on fera une émission spéciale sur Internet et les artistes. Et ne pas avoir peur d'Internet, parce que c'est un nouvel outil de communication. Voilà, il faut savoir s'en servir. Bon outil. Voilà. Dans les médias, Propasé, c'est parti. Oh.
créole, donne la main. Donne pas que créole, garde la main. Donne à l'icoma. Nouveau clip de Mrs. Propazé et un album disponible chez tous les bons disquaires. On va le montrer une fois à la caméra. Voilà, ça c'est l'album. Je remplace ma tête par l'album, c'est encore mieux. Et il est disponible partout, n'est-ce pas? Ensuite, est-ce que le public pourra te rencontrer justement sur des scènes ces prochains temps, notamment au courant du mois d'avril? Pour le mois de février déjà et le 25 février au Red White. Donc voilà. Avec plein d'artistes, donc Dr. T, New Generation, etc. Et par la suite, est-ce que tu as des projets qui seront réalisés au cours de cette année 2012? Ben déjà, je prépare un live avec des musiciens, peut-être des musiciens de mon album. Mm-hmm. Donc voilà, préparation des lives. Un live qui sera diffusé, je le souhaite, sur toutes les scènes. Là, on est au Palaxa, pourquoi pas, hein, le pourquoi pas, oui. Les bureaux sont au-dessus, donc tu peux négocier tout de suite. Voilà. Il y a le manager qui est là. En tout cas, nous, on souhaite que ça se passe très bien pour cet album et que tu sois diffusé le plus possible, tant sur les scènes en semi-playback ou en playback avec DJ, parce que vous avez également créé un concept qui s'appelle l'ambiance créole, voilà, avec plusieurs artistes et un DJ, tant en discothèque toi seul, tant avec ton groupe en live, puisque c'est quand même l'une des finalités de tous les artistes, mais c'est bien d'y aller, comme disent les Américains, step by step, voilà, au fur et à mesure, pour développer ça et produire un beau spectacle qui restera dans la mémoire des gens. Puis il faut un répertoire aussi, je pense que maintenant tu commences à avoir ton répertoire de façon à pouvoir tenir la scène également une heure et plus. Voilà. En tout cas, je te remercie Mrs. Merci et à rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission de musique locale Couleur Pays et Mrs. que vous retrouverez sur les différentes scènes et peut-être bientôt en live. Salut.